C'est super nul. Je vais voir qui c'est. Tu changes pas de chaîne, hein? Non, non. Oh, les gars, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis allée au vidéoclub, je cherchais un film sympa pour la soirée, mais je les avais tous déjà vus. Et tout d'un coup, je me suis sentie comme attirée par le fond du magasin. T'es allée voir derrière le rideau, t'es dingue. Mais personne n'y va jamais, c'est là qu'il y a les films tout bizarres. C'était plus fort que moi, comme si une petite voix me demandait de le faire. Oh bah ça alors. Jackie Jack dans les griffes de la hyène Manchou. Depuis quand Monsieur Lamotte fait des films? C'est impossible, c'est juste un type qui lui ressemble. C'est ce qu'on va voir. Il se débrouille pas mal, hein. Enfin, si c'est Lamotte. Ouais, mais si il se bagarre tout seul, on va vraiment s'ennuyer. Ça y est, ça démarre. Non, c'est pas lui, il est trop grand. Et puis de toute façon, c'est pas crédible. Oh la vache! Depuis toujours, Jackie Jack était assoiffé par la vengeance. C'est quoi ça, des tatouages? Non, on dirait des taches de naissance. Mais aussi l'envie de prendre sa revanche contre les méchants. Eh ben, c'est pas le moment de prendre un bain, alors, Monsieur Lamotte. Faut se bouger, là. Mon maître, je me présente à vous aujourd'hui afin de vous poser une question difficile. Je t'écoute, mon jeune élève. Tu peux parler. Je suis là pour entendre tes mots par mes oreilles. Super les dialogues, hein. Chut! Alors, je t'écoute, misérable vermisseau. Misérable? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai compris. C'est parce que vous n'êtes pas mon maître. Vous êtes la terrible Yen Manchu. Cool, ça va fighter un peu. C'est exact. Je suis la Yen Manchu et tu vas tâter de mes griffes. Oh non, l'autre, il va découper notre instinct. Ouais, c'est ça, Monsieur Lamotte. Rentrez-lui dans sa face, à la Yen. Ça fait bizarre quand même, hein? Vous croyez que c'est vraiment lui? Non, déjà en instinct, il est limite crédible, alors en karatéka. Faut l'imaginer avec un kimono. Non, c'est un sosie, et puis c'est tout. Hé, hey, regarde bien Marcello, la prochaine, elle est pour Monsieur Lamotte. Oh. Vous avez vu ça? Faut qu'on tire tout ça au clair, les gars. Ah, c'est pas ça. S'il fait du karaté, il doit forcément avoir des trucs de ninja dans son sac. Ça y est, j'ai trouvé. Waouh, un shuriken. Oh, dingue. Les gars, vite, il arrive. Ils vont sous le bureau. Allô, oui, Monsieur Lamotte à l'appareil. Non, 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 vous ne me dérangez pas du tout. Très bien, ça oui. À 20h ce soir, et n'oubliez pas les sashimi. Oui, merci. Oh, les chevilles. Mais oui, on va voir s'il a la même tache de naissance que Jackie Jack. Allez, à toi, Yvon. Et pourquoi moi? Bah, t'es le plus près. Et comme dit le proverbe, tant que la queue du dragon n'atteint pas la blanche hirondelle... D'accord, oui, merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est rageant, j'y étais presque. Sacré Monsieur Lamotte, on dirait pas comme ça. Hein. Maintenant, pour être vraiment sûr, il faudrait qu'on puisse voir sa tache de naissance. Et pour ça, on a un plan. On va suivre les lois des samouraïs. J'ai trouvé le bouquin à la bibliothèque, c'est passionnant. Ouais, enfin, en gros, on va tirer sur le pantalon de Lamotte. C'est parti. Règle numéro 1, un samouraï doit savoir prendre son ennemi par surprise. Règle numéro 2, un samouraï doit savoir détourner le regard de son ennemi. Ça va, Raymond? Ça va. Règle numéro 3, un samouraï, des fois... Bah, ça fait n'importe quoi. Vous n'êtes pas Monsieur Lamotte, vous êtes Jackie Jack. Mais enfin, Raymond, qu'est-ce qui te prend? Je sais tout, et je vais le prouver, même que vous avez un dinosaure sur la cheville. Ok, je suis ridicule. Jeune homme, je crois que nous avons deux mots à nous dire. Vous avez vraiment cru que c'était moi? Ouais, je sais, ça tient pas debout, mais... Mais il vous ressemblait vraiment, le type. Franchement, vous m'imaginez en train de me battre? Bah non, forcément. Mais alors, c'était quoi le shuriken? Mon économe multifonction. Je croyais l'avoir perdu.
Vous savez qu'avec ça, on peut éplucher plus de 10 légumes à la minute. Vous voulez dire que c'est un épluche-patate? Un super épluche-patate. Ah, je suis désolé de vous décevoir, les enfants. Je ne suis qu'un homme comme les autres. Un simple instituteur sans histoire et sans mystère. Ouais, on aurait dû s'en douter. Bon, allez, les gars, on rentre. À demain, monsieur Lamotte, et désolé pour le dérangement. J'ai encore bien passé pour un os devant tout le monde. À demain, les enfants. Tout va bien, Augustin ? Très bien, Gwendoline, très très bien. Il ne se doute de rien. C'est mieux comme ça. Après tout, nous avons tous droit à notre jardin secret. Tout à fait d'accord, Augustin.